bien, salut à tous. Salut à tous. Je crois que je vais pas me présenter parce que vous me connaissez à un moment donné. Je vais pas me présenter à chaque vidéo. Alors là, je suis dans la ville de Kumak, en fait, au nord de la Calédonie, vraiment quasiment tout à la pointe, au sud de Poum. Pour ceux qui me suivent, ça fait 3 mois que je suis en Calédonie, donc je fais des vidéos vlogs sur la Calédonie. Alors je voulais vous parler d'un truc très important, c'est qu'en fait, début 2011, j'ai pas été renouvelé dans mon stage à l'époque à Paris. Et en fait, finalement, c'est un mal pour un bien. Au départ, j'étais pas merde, fait chier mon stage, etc. Parce que j'avais pas le budget. Je suis parti en Australie tout simplement par hasard, dans le flou, parce que j'ai quitté ma zone de confort. Et je savais vraiment ce que je quittais, mais je savais pas tout ce que j'allais avoir en retour en Australie. Et finalement, rapidement, mais très rapidement, je me suis rendu compte que c'était la meilleure décision de ma vie que j'ai prise, de partir en sac à dos et partir à l'aventure. Parce qu'en fait, t'as l'impression d'être dans un rêve. Pas parce que finalement, c'est le monde des bisounours, parce que tu découvres finalement plein de choses au quotidien, tu rencontres plein de personnes, tu fais des nouvelles activités que tu n'auras jamais fait en France. Enfin voilà, on va pas la refaire. Tu découvres toujours des nouvelles villes, des nouveaux paysages. Là actuellement, je suis en Calédonie, donc je découvre encore des nouvelles villes. Kumak, je ne connaissais pas du tout, c'est super sympa. Et là, donc, vous hésitez sûrement derrière cette caméra, parce que vous n'êtes jamais parti en sac à dos, ou que vous êtes déjà parti, du coup vous allez vous retrouver dans cette vidéo. Franchement, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Si je l'avais pas fait à l'époque, je pense que je ne l'aurais pas fait aujourd'hui à 32 ans. Il faut le faire quand tu es jeune, il faut le faire quand tu n'as pas de responsabilité, il faut le faire quand tu n'as pas de crédit, quand tu n'as pas d'enfant. Tu peux le faire quand tu as des enfants, mais ce sera toujours un peu plus dur et ce sera toujours plus compliqué. Tu te sens beaucoup plus souple quand tu es jeune que quand tu as 30 ans parce que, ou 35 ans parce que tu n'as jamais voyagé. Et du coup, tu parais un peu plus compliqué que quand tu as 20 ans, c'est une réalité. Et du coup, je vous invite vraiment à le faire si vous ne l'avez pas fait. Pas parce que c'est une finalité, parce qu'il faut le faire, c'est parce que je vous conseille de le faire, parce que vous allez prendre vachement confiance en vous, vous allez vous épanouir dans au quotidien, vous allez découvrir de nouveaux endroits, vous allez vous sentir beaucoup plus sûr de vous quand vous allez parler, quand vous allez aborder la chose, vous allez gagner en maturité. Et c'est vraiment la meilleure décision de ma vie que j'ai prise à l'époque en 2012, de partir en sac à dos. C'est pour ça que je suis reparti une année en 2016, et là je suis encore reparti en 2017 en Calédonie. Et en fait, ça m'a créé des opportunités. En fait, quand vous allez voyager, vous allez vous créer des opportunités. Alors même, l'opportunité a été simple, c'est que grâce à mon voyage, j'en ai fait carrément mon travail. Mais alors, je ne dis pas que tout le monde doit faire la même chose, mais en tout cas, vous allez vous découvrir, vous allez vous créer des opportunités. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que si vous restez stagnant, vous allez stagner en France, vous allez rester dans votre truc et vous n'allez pas forcément prendre du recul avec votre activité. Et de vous dire, bah finalement, le job que je fais en France, il me correspond pas vraiment. Moi, mon truc, c'est le terrain. Moi, mon truc, c'est plus la tchatch. Moi, mon truc, c'est plus, voilà. Il y a des gens qui ont des bacs plus 5, finalement, ils sont complètement perdus dans leur vie. Moi-même, j'ai un bac plus 5 en logiciel Java. J'ai décidé, alors, de basculer. Je reste toujours en informatique, mais je suis plutôt dans le community management. C'est pour ça que maintenant, j'ai une entreprise qui s'appelle Studio Destination depuis un mois et demi. Et indirectement, mon travail, je suis plutôt du webmaster, un peu de code, un peu de paramétrage de plugin WordPress, du community management sur les Facebook, les réseaux sociaux. Et pour moi, j'apprécie beaucoup plus ce que je fais aujourd'hui que coder toute la journée dans un bureau. En fait, je me suis rendu compte que rester dans un bureau, ça ne me convenait pas. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont se retrouver dans cette vidéo en disant « Mais finalement, Damien, tu as tout compris. Tu es auto-entrepreneur, tu es libre, tu te sens vraiment libre, tu n'as pas de compte à rendre. » Alors, indirectement, tu n'as pas de compte à rendre, oui et non, parce que tu interagis toujours avec des gens, donc tu dois toujours avoir des comptes à rendre. Mais tu te sens beaucoup plus libre en tout cas, t'as pas besoin d'être piégé dans un bureau, et c'est ça qui est la plus belle chose que je vous conseille de faire si vous lancez dans l'auto-entrepreneuriat. Mais surtout de partir en sac à dos, parce que vous allez vraiment découvrir la vraie vie, sortir de votre zone de confort. Et vous allez vous rendre compte que finalement il n'y a pas besoin d'aller dans un hôtel de luxe pour pour s'épanouir. Alors moi hier soir j'ai dormi un peu à l'arrache avec ma tante, mais globalement ça m'a pas empêché de dormir. En fait, il faut être en sécurité. Là, je suis dans un camping, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, tu te rends compte que tout ce que tu as et tout le côté matérialiste que tu as vu en France, tu n'as pas besoin de l'avoir. Je veux dire, les derniers iPhones, les derniers trucs, tout ça, c'est de la flûte. On s'invente un besoin. Au final, on attache de l'importance au matériel et on oublie l'essentiel, c'est-à-dire le côté humain, le côté échange. Et en voyage, tu l'as vraiment, le côté humain. Tu rencontres plein de monde, tu discutes avec des locaux, tu vas vers les gens, tu t'ouvres beaucoup plus. Quand tu es dans ta petite vie en France, bah, finalement, tu restes au milieu de la technologie. Tu ne rencontres pas forcément beaucoup de monde parce que tu restes dans ta routine. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est pour ça que j'aime les voyages. Après, mon but, c'est pas de vous dire que faire sa vie en voyage. C'est pas du tout mon objectif. C'est plus ce que j'ai envie de vous partager. Parce que vous devez le faire maintenant parce que vous êtes sûrement jeune. Mon audience aujourd'hui, elle est assez jeune. Elle doit avoir voilà, entre 18 et plus jeune pour les 10, disons 17 ans à 25 ans, mon audience à peu près. Donc je pense vraiment être en adéquation avec ce que je dis. Voilà. Donc n'hésitez pas à réagir en tout cas. J'espère que je vais vous donner envie de voyager. Je pense avoir aidé pas mal de gens.
depuis 2012 à partir en sac à dos. Et du coup, bah, je sais, je reçois beaucoup de messages en disant « Damien, c'est grâce à toi que je suis parti ». Mon but, c'est pas du tout d'être un dictateur ou d'être le sauveur de l'humanité. Mon but, c'est juste vous montrer que voyager, c'est simple. Et au final, bah, voilà, c'est ce que j'essaie de faire avec mes vidéos. Vous dire que finalement, et bah, tout ce qu'on vous dit depuis la France, c'est la réalité. Tout ce que je dis, tout ce que vous pouvez lire sur les blogs, c'est que finalement, tout est accessible quand vous allez voyager. Il n'y a pas besoin non plus de s'organiser, des trucs organisés. Vous pouvez partir à l'arrache et vous allez voir sur place, tout est beaucoup plus simple. Avant d'arriver en Calédonie, j'avais une a priori très compliquée. Finalement, tu arrives, tu te présentes. J'ai jamais payé un seul euro de logement. Les gens, voilà, tu te présentes, tu peux faire de la vidéo, tout est accessible. Finalement, il n'y a rien de compliqué au final. Il faut y aller au culot. En fait, il faut vraiment y aller au culot quand vous allez voyager en Australie-Nouvelle-Zélande. Surtout pour trouver du travail, il ne faut pas hésiter à y aller vraiment au feeling. Et vous allez voir, vous allez prendre beaucoup plus confiance en vous. Finalement, tout va vous paraître inaccessible. Et une fois sur le terrain, vous allez dire, mais finalement, bah, ouvrir un compte bancaire, c'est simple. Ouvrir un numéro tax number, c'est simple. Acheter un van en Australie, finalement, alors c'est moyennement simple, mais tu peux le faire. Finalement, voilà, trouver un travail dans un bureau ou un travail en free picking, tout est accessible. Enfin voilà, je voulais vraiment vous partager ce coup de cœur. Je vous envoie très bientôt sur ma chaîne YouTube. Merci à tous les abonnés et à ceux qui me suivent sur les différents réseaux sociaux. Allez, salut les amis, et je suis en direct de la ville de Kumak, en Calédonie.